Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec l'équipe TV Caraïbes depuis Mombado Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Bricouri nouvelle gaillé, ça y était dit oui, Brick tap couri nouvelle qui était gaillé ici avec communauté internationale yo. Président Jovenel Moïse pour le remplacer directeur général Police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, payon l'autre citoyen jeudi 27 d'août 2019 là. Rime sa vignon réalité ici dans Haïti. Li confirmé président Jovenel Moïse choisi citoyen Nomil Rameau pour remplacer directeur général Michel-Ange Gédéon dans tête police nationale d'Haïti à PNH. Mandat 3 ans directeur général Michel-Ange Gédéon expiré week-end 23 d'août 2019 là. Et président Jovenel pas perdit temps, li wè problème insécurité à façon lié ici dans Haïti. Li fait un changement. Koulia citoyen Nomil Rameau c'est nouveau directeur général police nationale d'Haïti ya. Et nous allons vite suivre discours premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin DG Michel-Ange Gédéon avec remplacé ya Nomil Rameau non conférence pour la presse. Et bien nous pas perdre temps, nous allons vite suivre activité ou bien festivité ou, et bien nous pas perdre du temps, n'a pas commencé coulier. Sens de la mesure, conscient des temps difficiles. Je vis au quotidien des préoccupations amères nées d'une insécurité qui n'arrête pas des portions de notre société déchirée. La police nationale d'Haïti, tout au cours de cette dernière année, était mise à une rude épreuve. Elle a été sur plusieurs fronts à la fois. Des manifestations de rue, le plus souvent violentes, en passant par la grande délinquance jusqu'aux gangs organisés. Toutes ces dérives où le peuple haïtien a choisi de faire l'expérience démocratique et l'État exerçant la puissance publique doit faire économie du monopole de la violence. Le président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, n'a jamais raté l'occasion d'exhorter les responsables de l'État au respect des droits de l'homme. Il a toujours enseigné que l'État ne devait pas intervenir dans l'exercice des droits de l'homme. Il ne devait pas empêcher d'autres personnes d'y intervenir non plus. Que l'État, au contraire, devrait adopter des mesures appropriées pour leur réalisation. Personnellement, j'ai toujours eu une belle satisfaction à travailler avec le commandant Michel-Ange Gédéon, qui a su faire preuve de professionnalisme accompli. Dans nos séances tenues au Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, et j'ai eu l'honneur de présider, le commandant Gédéon n'a jamais ménagé sa compréhension du social haïtien auquel il faisait correspondre son savoir et le savoir-faire de ses troupes. Au nom du président de la République et en mon nom propre, je salue les bons et loyaux services que vous avez rendus à l'État et à la nation. Au cours de votre mandat, vous vous avez servi en grand commandant. Vous avez bien mérité de la patrie
Vous quittez votre fonction avec les vibrants hommages du gouvernement de la République qui vous souhaite du succès dans les nouvelles fonctions que vous aurez bien sûr à occuper dans le futur. Monsieur le commandant en chef AI, à la faveur des circonstances qui viennent d'être dites, c'est à vous qu'il revient de succéder au commandant Michel-Ange Gédéon parce que le président de la République, après consultation, vous a nommé commandant en chef AI de la police nationale d'Haïti. J'ai le plaisir de vous présenter mes compliments pour ce nouveau poste, plein de prestige. Je dois vous dire aussi que vous occupez cette tâche dans une période difficile et qui doit être pour vous une belle occasion de vous mesurer, d'évaluer votre savoir-faire à la lumière des relations que vous aurez développées avec les différentes unités placées désormais sous votre commandement. Vous avez un adversaire détail. Un adversaire G qui vous attend. Il s'appelle l'insécurité. La population haïtienne est fatiguée. La vie doit reprendre. Bientôt, dans 2 semaines, c'est la réouverture des classes. Pour les grands défis auxquels l'État doit s'adresser, dépend de la sécurité rétablie. Vous aurez donc de cœur et d'esprit à mettre tout en œuvre, à utiliser toutes vos ressources pour mettre à profit les grandes techniques susceptibles de ramener la paix dans les oui et dans les familles. Dans l'exercice de votre fonction, souvenez-vous toujours et nous sommes en train de construire un état de droit. L'autorité et les personnes ne peuvent pas être séparées de leurs droits. Le gouvernement de la République, pour sa part, se devra d'agir sur l'ordre social vétus, en vue de réduire les entraves au travail de la police. Monsieur le commandant en chef AI, l'heure est à l'action. Boucler ce mandat de 3 ans était un vrai défi. Diriger l'institution jusqu'à ce jour a été une rude épreuve. Aujourd'hui, par la force des choses, arrive pour moi le moment de tirer ma révérence. C'est l'occasion de remercier le ciel. Les dieux tutélaires de m'avoir soutenu quand mon ciel était gris et nuageux avec parcours plus difficile qu'il ne devrait être. Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour pour remplir cette noble mission à la tête de l'institution policière. Les frères, les soeurs, les collègues qui m'ont encouragé dans cette tâche ô combien difficile. J'adresse des remerciements spéciaux. D'abord au Premier ministre pour sa collaboration, comme il vient de le préciser, dans les différentes rencontres du CSPN. Aux collaborateurs fidèles que je pouvais compter sur les doigts de la main. Je remercie aussi les moins fidèles et les envieux qui m'ont appris une nouvelle dimension de l'ingratitude humaine. Je remercie également les détracteurs qui m'ont permis de gagner en expérience et en maturité. Ils m'ont permis de développer un leadership situationnel
ceux qui m'ont aidé à faire face à des circonstances de la mine juste, sont considérables pour me permettre de à la tête de la pédagogie, avec tous ici présents, et d'autres qui brillent en tant qu'espoir par leur absence. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais dire à mes gouverneurs, jamais il n'y a pas venu à une chapelle politique. Venir ici, je ne suis plus encore ni à droite, ni à gauche. La priorité a toujours été devenir une institution endossant la lourde responsabilité d'assurer la sécurité des fils et des biens de toute institution qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir sur le plan professionnel. Aux jeunes cadres de la génération montante, vous conserverez les acquis professionnels et déontologiques. C'est par cette attitude, et par cette attitude seulement, que vous enverrez de servir mon pays. J'ai accepté de travailler dans des régions où le devoir m'appelait. Aujourd'hui, devenu directeur général de la police nationale d'Haïti, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République, qui à la fois la paix des rues et la tranquillité des citoyens et des citoyennes. Il n'y aura bien entendu pas de formule miraculeuse. Je serai de ce fait ouvert à vos suggestions et vos propositions. Et la même ouverture conduisant à ma ratification animera mon action pendant toute la durée de mon mandat. Ayant fait partie des premières classes d'agents de la PNH et en charge aujourd'hui du commandement de la dite force, je tiens à exprimer avec conviction et détermination ce qui serait ma principale leçon apprise. L'importance du travail du commandement et le succès qui pourrait en découler se mesurent à l'engagement, au dévouement et au sacrifice des policières et policiers. PNH là, pape solide. Si base libre, pas solide. C'est peut-être ça. M'a fait appel à tout policier sans discours. Nous tous connaissons l'histoire Rome dans le temps ancien. Il était péri parce que base libre sociale l'IO, en ayant été décomposé. Force la police la chita sous fondation qui n'en base. M'a demandé nous continuer à mettre en pratique toute formation nous te recevoir dans l'école, académie police, tant en Haïti et à l'étranger, qui ou ces simples citoyens. L'action de la PNH doit être à la fois utilitaire et protectrice. Aussi s'exercera-t-elle dans le strict respect des droits de la personne, la présence policière doit inspirer confiance à la population et imposer le respect. Nous pas quitter quelques graines aux reins. Pour lui, j'étais discrédit tout travail à mérite plusieurs milliers de policiers qui s'est bon bagage. Il sera donc repris sous mon commandement le processus de certification. Je vous invite, policières et policiers, à résister à toute voie de facilité et à toute quête d'avoir ici pour une police qui sert et non une police qui se sert. L'un des défis les plus pressants à relever est celui des gangs. La lutte contre le banditisme, la criminalité organisée sera intensifiée. Un tel impératif requiert le renforcement des capacités opérationnelles, administratives, d'intelligence et tactique et logistique de la police nationale d'Haïti. Il s'accompagne également de l'amélioration des conditions de travail des policiers. Nous nous engageons à faire reculer la précarité à la fois dans les commissariats et dans votre vie privée. Les policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions et leurs familles bénéficieront de l'accompagnement qui leur est dû.
Mesdames, messieurs, tout en faisant de la mode 18, le taux de kidnapping était presque nul. C'est deux, et ainsi que le vol des véhicules considérablement réduit. Ces deux phénomènes sont malheureusement au plus d'essence actuellement. Le lac plein d'efforts pour maintenir et améliorer son niveau d'efficacité. Mesdames, messieurs, la police nationale d'Haïti, sous mon commandement, sera à l'abri de tout risque de polarisation, politisation. Nous sommes policières et policiers les bras de la loi. L'exigence de neutralité a un prix, mais c'est le statut de l'institution qui nous l'impose. La professionnalisation de la police nationale sera donc renforcée avec l'appui des autorités et le concours des partenaires tant nationaux qu'internationaux. La méritocratie sera la règle sous mon commandement. Le devoir accomplir et les sacrifices réalisés récompensés, soyez des policières et des policiers de demain et non d'aujourd'hui uniquement, pour paraphraser le philosophe allemand Nietzsche. Que Dieu bénisse Haïti et qu'elle vienne en aide à la police nationale d'Haïti. Que toutes et tous ici présents reçoivent l'expression de mes remerciements et respects. Présentez-vous le nouveau directeur général AI de la police nationale comme le vice-président de la police. Il faut en premier pas transmettre le remerciement à son excellence et de la police de la République. Voilà, équipe TV Caraïbes l'a dit, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes, et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.